Salut les viewers, c'est Marcus Bonus en mode tout doux. Hein. Donc on va se connecter tout simplement pour la première fois donc dans cet épisode de Robocraft, à Robocraft justement avec Steam, hein, vous allez le voir tout de suite. Je vais le faire, et donc ça me permet de faire un petit test avec vous chers amis. À l'heure actuelle, il doit être dans les 22h30 je dirais à peu près. Je vais vous dire ça. Merci, merci ma chaise de bureau qui vient de me lâcher un gros P. Est-ce que je peux continuer? Ah, elle refait pas? Attends. Un petit peu. Bref. Donc oui, il est 22h30. Je vais essayer de me connecter. Demain, je devrais pouvoir me mettre à tourner dans les environs de 10h. Malheureusement, j'ai des choses à faire demain matin. Des gens à transporter à la gare, en l'occurrence. Bref. Donc, on va se connecter. On va faire le test. On va voir si, en fait, demain matin à 10h, est-ce que ça va en plage horaire à minuit, vous savez, d'un tel pays, ça va se réactiver. Ou est-ce qu'il faudra que j'attende 22h30 demain pour le faire? Voilà. C'est ça, la véritable question. Voilà, voilà. Est-ce qu'on va donc avoir notre premier crate tout de suite? Oui, le Rusted. Donc le Daily Reward, voilà. Login tomorrow, tu vois, c'est Bronze Sal. Bronze Salvage Crate. Hop, nous avons dans ce crate un Front Laser Wasp et un Electro Shield Right. D'accord, pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est parce que j'ai le Premium. Hop, d'accord. Votre inventaire et vos robots ont été updated. Et j'ai... Non, je veux dire que j'ai perdu mon... Gueule, Dieu merci, il est encore là. Et normalement, sans trop de modifications, parfait. Ici, nous avons donc un mecha. Ça me permet de vous spoiler les autres robots. Donc le premier mecha que nous ayons, hein, celui-ci. Pourquoi celui-ci reste toujours actif? Étrange. Donc le premier mecha que nous ayons, que j'ai légèrement amélioré, vous voyez, donc il a lance-roquette, proto-seeker et aéroflag, donc qui est un spécialiste des armes spéciales. Notre robot, vous savez, aérien actuel, celui qu'on utilise le plus en tout cas, avec le bouclier en dessous qui est toujours aussi efficace. Nous avons ce robot qui apparemment a un problème vu qu'il reste toujours en hauteur. Vous voyez, ah non, c'est bon, hop, parfait. Que j'ai amélioré, vous voyez qu'il n'y a plus de shotgun dessus, j'ai mis un autre lance-roquette dessus, on verra bien si c'est efficace ou pas. Je l'ai pas testé. Ce sniper, vous voyez qu'il n'y a plus de sniper là aussi, il s'est passé quelque chose. Je le remettrai sans doute, hein, c'est vraiment un robot que j'ai fait pour le fun, pour voir si ça fonctionnait. Ce robot que j'ai appelé le robot Gundam, hein, que j'ai stylé, que j'ai construit moi-même, hein, c'est une invention de ma part, hein, entièrement de mon truc, que je trouve assez stylé. Vous voyez qu'il a des lasers, enfin oui, des lasers au niveau des tétons. Que dire, chers amis. Et surtout deux magnifiques shotguns sur les côtés, je suis désolé, je peux pas faire mieux. J'ai ce heal là, que j'ai récupéré un petit peu, donc le principe du commande de la savonnette, hein. Vous voyez, que j'ai légèrement amélioré avec deux proto-seekers, 4 plasmas pour pouvoir faire les tours, hein, et de quoi il est. Hein, mais surtout qu'au final, je me mets beaucoup plus à tirer et à rusher qu'à healer. Bon, le sniper en question que j'ai fait, vous verrez, est très particulier. Donc je l'ai fait comme ça, il ressemble à ça, vous voyez. Hop, et donc du coup, en haut, en mode escalier. Et donc du coup, vous voyez, le décalage entre les deux niveaux des jambes fait qu'en fait, on peut simplement tirer avec un... Le fait qu'on a l'impression qu'il est penché en avant. Et donc justement, ici il y a un moyen de se couvrir. C'est pour ça que j'ai mis ceux qui ont un shield, en fait ceux qui ont un bouclier peuvent rentrer dedans pour essayer de mettre un bouclier devant moi. Bref, ça c'est encore, hein, quelque chose qu'on verra plus tard. Et ensuite ce robot que j'ai fait pour le fun. Simplement, en gros, je me suis retrouvé face à un truc du genre assez vite dans le jeu. Ce qui fait que du coup, bah, je me suis dit tiens, je vais essayer de me le faire moi-même, tout simplement. Voilà, et donc j'ai fait, c'est vrai que c'était rigolo 2 minutes. Après, se faire péter la tronche au moindre contact, au moindre tout, le moindre dégât, n'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Donc voilà. Bon, même le dismantle, il n'est pas important. Voilà. Bon bah écoutez les amis, moi je vous retrouve tout de suite, hein, vous allez voir. Donc, moi je vais l'appeler, alors par contre ce truc là, je vais l'appeler Dino Charge. Ceux qui ont vu les Power Rangers Dino Charge, en tout cas... Zyuden Sentai Kyuryuger, donc est la version japonaise que je trouve mieux que la version américaine. Bon, après ça c'est mon avis, c'est plus rigolo, c'est plus simple à regarder. Moi c'est ce que je préfère. Hein. Après voilà, mais j'aime beaucoup là d'ailleurs la version de Super, enfin Dino Charge, est pas mauvaise. Bref, c'est un petit détail sur lequel on reviendra. voici donc le dernier robot que j'ai construit en date. Hein. Voilà celui-ci. Après avant j'avais fait celui-là et avant surtout j'ai passé beaucoup de temps à faire celui-là. J'espère que vous allez le kiffer. Moi je l'adore. Vous voyez, donc il a des commandes. Des rotor blades pour légèrement planer une fois qu'il est en haut niveau, des jambes solides malgré tout, 1, 2, et à l'intérieur on le voit pas, mais il y a un troisième
booster. Hein. Troisième booster qui sera peut-être voué à disparaître sur la durée, on verra bien le moment venu. Vous verrez pourquoi, tout simplement. Hop, vous verrez le moment venu. Donc voilà, 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 un robot que j'adore. J'adore. Je trouve qu'il a une gueule, un style. Bref, il a tout pour plaire, ce robot. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous avons donc ceci. Nous avons donc de quoi acheter des crates. Pourquoi pas. D'accord, on ne va pas sur l'interface Steam, ça ne m'intéresse pas. Hop. Mon dieu, la Marcus elle est à chaque mise à jour, mon premier robot devient inutile. Nous avons donc 29 000, au total 29 000 robits. Je me rappelle que ça s'appelle des robits maintenant. Et il y a donc la fameuse recyclage, le fameux recyclage et la forge. Ah, la forge, on va voir vite fait. Et donc on a accès effectivement à tous les trucs avec les robits. Intéressant. Même si c'est un prix qui est un peu plus élevé, effectivement. On a accès à tout. Même si c'est... D'accord. En cosmétique, on a donc accès à absolument tout là aussi. 20 000 pour un vapeur trail, double. C'est un petit peu cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Football face, d'accord, oui, je vois. Oui, d'accord. Scary mask, d'accord, oui, je vois aussi ce que c'est, à quoi ça correspond en tout cas. Honey view. Je reconnais pas par contre ce truc-là. Intéressant. Quand il y a des trucs que j'avais pas vu. Ah, le dent de sabre qu'on va finir par prendre un jour ou l'autre, chers amis. Hein. Soyons honnêtes. Hein. On les aura tôt ou tard. Lui, gueule qu'on a déjà. Hein. Hop. Ok, il y a de quoi se faire plaisir en tout cas dans ce shop. Au niveau de specials, il faut 152 000 pour avoir ça et on a 29 000. On n'est pas riche. Hein. On est vraiment pas riche en fait. Le cosmétique coûte moins cher, c'est intéressant. C'est un bon parti pris. Donc là c'était la forge et donc les robots, c'est là, d'accord, toujours au même endroit. Ah d'accord, robots earning, d'accord, ok. Bon bah écoutez, on a gagné beaucoup de trucs de robots, j'ai fait 6 ventes, bah, écoutez, merci à vous chers amis. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci énormément. Ok, donc en fait pour construire, vous voyez, donc avec le double prix comme je vous l'avais expliqué à vous, un double prix qui permet en fait tout simplement à une version plus short. Intéressant. Intéressant. Oui, effectivement, il a raison, c'est un robot qui a pris cher à partir de l'apparition des commandes des lance-roquettes, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ok, cool. Oh là là, oui. Intéressant. Bon, voilà, on va pouvoir s'amuser avec tout ça, chers amis, je pense. Le plus vite possible. Donc là, tout ça c'est resté comme ça. Eh bien écoutez, moi je vous retrouve donc d'ici quelques heures pour moi et pour vous dans un instant pour la suite de la vidéo. À tout de suite, chers amis. Et bonne nuit à ceux qui veulent aussi bonne nuit. Voilà, chers amis, c'est passé quelques heures. Nous allons donc enfin pouvoir tester pour voir si les fameuses crates se passent donc au jour ou bien sur un délai total de 24 heures en fait, simplement. Initializing, oh my god, massive new expansion plus loads of improvements. Ok, je me mets à parler américain. Je suis américain. Je viens de profondeur du Texas. Connecting to the server. Welcome to Epic Loads. There are big chance to repair Geek and GT in this update. Please see RebelCraftGame.com for details. Ok, donc on n'a pas eu de crates. Bon. Bah ça commence mal. Eh bah écoutez, on va partir avec mon Gundam, mon robot favori, et on va y aller, chers amis, en Battle Arena, et on se retrouve tout de suite. Voilà, chers amis. Donc il paraît que les retours font que, en fait, apparemment, les armes, certaines armes deviennent complètement OP. C'est pas une nouveauté dans Robocraft, qu'à chaque mise à jour, il se passe de nouvelles choses complètement cheatées. Mais bon, on verra le moment venu, chers amis, on verra ce que ça va donner, on va le faire notre propre avis. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous avons un robot qui, vous allez le voir, est plus que performant. Hop, en début de partie il ne l'est pas tant que ça, enfin il reste très performant au niveau du combat, hein. Seulement au niveau des performances de déplacement il reste un peu faible. Ok, on va tous se battre pour un petit bout de... Ok, c'est pas grave. Ok, niveau 3, ça fait toujours plaisir. Spotted. Your top fusion tower has been captured.
on peut aller surprendre ce bonhomme. Ok. Hop. Hop. Allez. Voilà, merci. Merci pour le heal qui a pris la peine de me suivre derrière moi. Effectivement, je sens une différence au niveau des SMG, hein, une différence notable. Ah, mais évitez de me rentrer dedans pour autant. Alors, il faut savoir que j'ai terminé des parties à 2 minutes. Hein. Des parties de, comment, de Battle Royale à 2 minutes. Hein. Enfin, de Battle Arena à 2 minutes. Hein. 2 minutes de jeu. Voilà. On aimerait bien qu'on voit ses tirs à lui. Hop. Là. Évite de me faire ça la prochaine fois. Aïe. Putain, mais recontrôlez vos robots, mon dieu. Casse-toi, hélicoptère. Hop. Reculez, reculez, ça sert à rien. Toi tu sers à rien, le temps que tu verrouilles quelqu'un, tu sers à rien. Le snipe. Normalement il peut grimper, vous allez voir, de manière assez spectaculaire. Mais peut-être qu'il a pas encore le niveau pour là. Niveau 9, ah il devrait. Ah la vache, il devrait. Bon, c'est pas grave. J'ai plutôt... Ok. Ok. Excusez-moi. J'ai pas fait exprès. Ce snipe me saoule. Est-ce qu'il y a toujours des heals derrière moi? Non, aucun. C'est génial. Où sont partis mes potes? Là-bas. Raison inconnue. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Icarus Invicta. Donc vous pouvez le voir, le robot est assez classe. Hein, et vous allez voir, là, au moment où on commence à se déplacer de manière différente. Par contre, s'il récupère la tour là-bas, ça me ferait mal. Hop, nouveau mode de déplacement. Et oui, il a un boost dès qu'il saute. Ok, normalement, ils vont essayer de se diriger. Voilà. The top fusion tower has been captured. Spotted. Je viens par là, lui. Hop. Your middle fusion tower is under attack. Your middle fusion tower is under attack. Hop. Ah d'accord, maintenant on peut. Hop. Passer sur de l'armement. Est-ce que quelqu'un a du heal à me fournir? Non, aucun. Pourquoi pas? Ok. Ils sont nombreux là-bas. Bah, j'ai tenté un rush. Voilà. Hop. Hop. Ah, puis y'a mon chien qui pète une durite. Hop les, boum. Boum, bitch, get out the way. Arrête, elle va nous faire énormément de bien. Non, y'a pas de raison. Viens voir papa. Oh, t'es sérieux? Il y a une disconnect à ce moment-là du jeu. What the fuck? Faire de la fuite. Hein. Oh non, la jambe qui bug. La jambe qui bug, dommage. La jambe qui bug à l'atterrissage.
véritablement dommage. Bon, de toute façon, avec le nombre de snaps, je pouvais pas faire demi-tour. Hein. Soyons honnêtes. Je ne pouvais pas. Elle. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce robot, chers amis? Mettez-le dans les commentaires ce que vous en pensez. Je peux très bien le mettre en vente maintenant. Hein. Je peux très très bien le mettre en vente, y a pas de souci. Je pense que je vais le faire d'ailleurs maintenant que c'est gratuit, j'en profite un max. Parce que ce robot est vraiment épique à jouer, hein. J'adore le jouer. Hein. Je m'éclate, mais alors vous imaginez même pas. Oh putain. Quelqu'un peut t'occuper de cette saloperie. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de cette saloperie? Ah bah oui, mais si c'est pas l'un, c'est l'autre. Oh putain. Quel dommage. S'il n'y avait pas eu ce sniper, je le faisais. Hein. Je le faisais complètement. Mais forcément, oui, l'ennemi du sniper... Enfin, l'ennemi du shotgun, c'est le sniper. Hein, je peux pas faire autrement, là, pour le coup. J'ai pensé à mettre un snipe sur le haut. Hein. J'ai pensé. Ah bah remarque, maintenant, je crois que j'ai assez de CP... de CPU, de flops, pour pouvoir le faire. Donc ça peut être intéressant, ça peut être intéressant sur le court terme. On verra bien. Bon, je vais chercher la tour quand même, parce que là on l'a perdu, ça me plaît pas. Hop. Il est quand même stylé ce robot, je sais pas ce que vous en pensez chers amis, moi je l'aime ce robot. Hop. Ok. Your top fusion tower is under attack. The top fusion tower. J'ai l'impression qu'on insiste sur ma personne. You no longer have your clock cycle booster. Your team has captured the bottom fusion tower. Ah, elle est pas très précise, hein. Peut-être qu'il va falloir ce snipe. Under attack. Alors. Alors, est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Il le faisait avant. Donc, ah oui, par contre, c'est vrai qu'il manque des aéroflacs. Boum! Oh non! Hop! Ils sont nombreux. Your plutonium reactor is under attack. Ils sont trop nombreux. Et on a plus de tour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a plus de tour? Oula, il me reste plus que des jambes. Habituellement c'est l'inverse en fait, c'est marrant. J'ai fait plein de parties, habituellement ils pétaient mes jambes avant. Parce que c'était ce qui est le plus tanky. Ils pétaient les jambes avant pour essayer de me tirer à longue distance en fait. Et là maintenant ils pètent le haut. C'est rigolo. L'avantage c'est quand ils me pétaient les jambes en fait, je me mettais en rotor blades là, vous savez, en truc volant là. Comme lui là. Ça passait crème. Par contre, ouais, on a perdu énormément de points de vie là. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? C'est vrai qu'il me faudrait un heal ou un shield derrière. Je vais faire ce que je peux. Bon, on va essayer autrement. Mais c'est vrai que là, un snipe sur le haut là pourrait être pratique. Hein. Tant que j'y pense. J'ai vu que j'avais 30 flops. Ça peut être pas mal. Hop. Il y a par là. Ah putain, mais on peut plus tirer correctement avec cette arme. Oh, what? Hop, merci d'éviter de me piquer mes frags, ce serait cool. On va s'accroupir un petit coup. Rappé. Quoi? Allez, tire!
Eh bien, viens, 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 je t'emmène. Hop, et de 1. Putain de snipe. Je peux pas bouger. Oh, quelle horreur. Il me saoule. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour péter ses snipes en plein milieu de la partie, en plein milieu du niveau ou pas? C'est saoulant. On se débrouillait très bien au début. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas là. Il n'y avait pas le moindre souci au début et là, tout le monde en chie. Tu fais pas un rush protonium réacteur quand même? Boum! What the fuck? On va perdre! Fais quelque chose! Et il attend. Il aurait pu aller chercher la tour, mais il attend. Non mais c'est mort, hein, cherche pas. C'est mort, c'est mort. En plus, il nous spawn, regarde, hein, il nous spawn kill. Your plutonium reactor is under attack. What the fuck? Mais je réapparais en milieu de partie! Je devrais être proche de mon... Je devrais être proche de mon putain de ma putain de spawn de zone de spawn et non, en fait on fait pop en plein milieu de la partie en sachant très bien qu'il y a deux snipers qui pourraient me viser dessus déjà dès le début et un autre, même un troisième au milieu. Donc on a le rang bronze, on a été battu, hein. Et on touche donc... Oh! Cool! J'ai eu du bol! Robot name here. Collect item. Bah écoutez, c'est génial! Génial, génial! Eh bah écoutez, on va repartir avec parce qu'on n'a pas eu le... On n'a pas eu comment ce qu'on voulait. On n'a pas eu la victoire. Donc on y retourne tout de suite, chers amis. Heureux, chers amis! Donc, on va essayer d'aller faire quelque chose d'un peu mieux, là. N'empêche que j'ai pas perdu beaucoup de games avec lui, hein. Je crois que c'est une des... Elle est au moins dans les 5 premières, j'en ai fait un paquet. Vous avez vu que j'ai fait plein d'autres robots, hein. Non, honnêtement, c'est une des rares que j'ai perdu avec lui, hein. Oula, j'espère que ma molette va tenir longtemps. Ok, bizarre. J'ai un doute. Ok, est-ce que je peux voir mes tirs de SMG, s'il vous plaît? Apparemment, bon, apparemment pas, hein. Génial pour voir la cadence de tir. On verra. Hop. Moi, si je peux les contourner, honnêtement, ça me va. Hein. Putain. Hop les, voilà. Faut juste que je me rappelle de faire gauche-droite, en fait, chers amis. Ok. Recule, recule, recule. Oh, mais t'étais pas avec nous déjà, toi? Your top fusion tower is under attack. Oh là. Oh là. Ok. Non. Je suis désolé, mais non. Et par contre, oui, alors ça, on révitera à l'avenir. Contente toi de heal, hein, ça vaut très, ça sera mieux. Par contre derrière nous on a un mec, hein. Casse-toi. Hop. Your bottom fusion tower has been captured. Spotted. Hop. Allez, mais explose, putain! Est-ce que je peux avoir du heal?
Hop, merci. Reprenez la tour. Voilà. J'ai été spoté, ce qui veut dire qu'on a un ennemi. Hop, c'est l'heure de la fuite. On n'a pas assez de tours. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être pas exagéré là, non? Ah non, mais c'est mort là, de ce côté-là. Oh, t'es sérieux? Your middle fusion tower is under attack. Spotted. Est-ce que je peux viser précisément? The middle fusion tower has been captured. Merci de m'avoir piqué mon frag. Bref, reprenez les trucs. Moi, ça ne me dérange pas. Spotted. Ok. Ah, j'avais oublié ça, c'est vrai. Ok, lui par contre il redescend. Fais chier. De heal, merci. Par contre, on a plus de tour. On reprend celle de là-bas, parfait. On va aller reprendre celle-là. Your bottom fusion tower is under attack. Mais putain d'abruti! C'est pas la course! Ah, ça me rappelle des heals dans... Des heals dans World of Warcraft. Oh, je suis heal, tu fais ce que je te dis. Non, non, le vrai chef, c'est le tank, hein, point barre. C'est lui qui est le plus à même de gérer une équipe parce qu'il a le temps de tout gérer. Le heal est tout le temps occupé. Alors certes, le heal est important. Il faut pas exagérer non plus. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la tour? Continue à me heal. Hop, j'ai plus d'énergie, du coup je passe. Est-ce que quelqu'un peut me heal? Mais putain, pourquoi le heal il va au cac? Le seul heal du groupe va au cac. Passera. Putain, mais il s'est barré le heal. Ah non, il est là. Mais passe pas devant! Mais putain, mais t'es bête comme tes pieds, c'est pas possible! Tout combien là? Ok. Continue à me heal, continue à me heal. Ah, dommage! Qu'est-ce qui m'a fait autant de dégâts d'un seul coup? Ah, le snipe, oui, bien sûr. Ça ne m'étonne pas. Hop, on y retourne, on va les rejoindre parce que là, il va se faire défoncer sinon, le pauvre. Je crois que c'est Satou qui bisse. Moi, je pense que c'est plutôt Satou qui se casse en couille. Enfin, qui se barre en couille, pardon. Se casser en couille, c'est débile. Ils sont tellement nombreux là-bas que ça vaut même pas la peine. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Ils vont repartir? S'ils repartent, je reprends la tour derrière eux.
peux me laisser mon kill, s'il te plaît? Merci. Je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir piquer les kills de tout le monde, là. Oh, je vais me rapprocher par là, juste pour la forme. Vous allez voir. Hop. On va voir si je me trompe ou pas. Hein. Je pense que... Your bottom fusion tower is under attack. Hop. Spotted. Your team has captured the middle fusion tower. Your enemy's fusion shield. Putain, je vais pas l'avoir, je m'en doutais. Faut que je pense à compter en fait gauche-droite, parce que avec deux, forcément avec deux pompes, il peut pas tirer les deux en même temps. C'est débile. Il devrait tirer les deux en même temps. Le principe du pompe, c'est d'avoir à tirer le moins possible. Là, il tire 1-1-1. C'est débile. Je trouve ça débile personnellement. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Allez. Allez mec. Il y a trop de snipes dans l'équipe adverse, c'est chaud. Spotted. Spotted. Alors ça, je suis pas d'accord. Me faire tirer dessus en roulant, je suis pas d'accord. Me faire tirer dessus en roulant, je suis pas du tout d'accord. Je suis désolé. Hein. Ça peut vous sembler stupide, mais je suis pas d'accord du tout. Honnêtement, je suis pas d'accord. Je comprends pas là. Le sniper est fait pour ne pas être précis au mouvement, justement. Et je suis dégoûté du principe qu'il l'est maintenant. Soyons honnêtes, hein, il n'y a pas de raison qu'il le soit et il l'est. Alors, Poum qui retourne sur le truc. Oh, puis c'est long. Reprenez une tour, mon dieu! Reprenez une tour! Prends la gueule! Et la tour! Notre tour! Prends la tour, Zazuri! La tour! Putain, la tour! Bon, ça, je trouve ça pute. Ça, je trouve ça pute, je suis désolé. Là, j'ai pas à repop là. J'ai pas à repop là du tout. Putain, mais vous voyez bien qu'il y a 36 000 ennemis devant moi! Jeu de merde! J'ai pas à repop devant 5 ennemis! Pas un instant où on a 50 secondes de res! Mais reprenez une tour, ça y est, c'est bon. Je suis désolé, mais là ça va pas là. Your middle fusion tower is under attack. Ok, c'est pas grave. Spotted. Your middle fusion tower is under attack. The middle fusion tower. Hop, c'est de me mettre devant pour pas que. You no longer have. Il l'a eu. Dommage. Hop, hors de portée. Spotted. Putain de snipe. Mais casse-toi, oh là là. Oh là là, je me fais arrêter sur le pont par un abruti, quoi. Mais non, ça vaut pas le coup, là. Cherchez pas, on recule. Your top fusion tower is under attack. Eh oui, je sais plus ou moins où t'es, du coup je peux te tirer dessus, mais comme tu farmes le spawn, c'est la mort. Under attack. The top fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Hop. Hop. 2-1. Your team has captured the top fusion tower. Tant qu'on rigole. Bien.
Bien. Oh la gueule. Qu'est-ce qu'ils foutent tous là-bas? Qu'est-ce qu'ils foutent tous au spawn? Prenez les tours, bordel! Regarde ça! Et on va perdre, hein, faut pas chercher, hein! On va perdre, c'est certain. Enfin bon, c'est pas grave. Effectivement, j'ai un robot qui était efficace, mais j'ai pas l'impression que le robot de mes potes soit efficace. Une tour, deux tours, trois tours, quatre tours peut-être. Là, tu peux pas péter la gueule à ton pote. Enfin, en même temps, regardez ça, on a des robots d'assister, quoi. C'est stylé, par contre, je reconnais, hein, mais au niveau de l'efficacité, c'est pas pareil. Hein. L'utilisation du blick, du comment, du ghost, qui était complètement inutile. Ah, ah, il y a un mec qui fait des choses, attendez. Il y a un mec qui fait son petit plaisir, son petit bonheur. Il a raison. Et pendant ce temps-là, des gens auraient dû prendre des tours. Mais ça a l'air d'être compliqué, si c'est bon. Hop. C'est de se déplacer le plus rapidement possible. Dommage. Ok. Ok. Hop, c'est bon. J'aimerais bien que le spot se barre. Hop, pardon. Spotted. Hop. Your team has captured the middle fusion tower. Your enemy's fusion machine has been deactivated. Spotted. Okay. Okay. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Hop, pourquoi pas. Peut-être casser. Hop, ça y est, victoire, chers amis, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bon, on n'est pas dans les premiers, hein. On n'est pas le premier, on n'est pas dans les premiers non plus. Mais bon, ça peut être sympa. Ah non, non plus, non plus, non plus. Il y a un mec qui fait 5400, quoi. Maelstrom. J'aurais dû aller voir son robot, mais bon, c'est comme ça. Excusez-moi, je me permets des choses, je devrais pas. Voilà. Bon. Gold, c'est toujours ça de prix. On y va. Ah. Voilà, je l'avais dit, un bloc bleu. Oh, il est du rare quand même, là, qui tombe. Ok, pourquoi pas. Cool. Cool, cool, cool. Génial, 127 en plus. C'est bon, ça. Des bonnes choses. Que des bonnes choses, chers amis. Bah écoutez, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais upload le robot. Hop. Je vais mettre... Marcus, bonus, Gundam. Marcus, bonus, Playroom. Hop. Gundam de la chaîne. Voilà. Hop. Je suis d'accord. Et c'est parti. Est-ce qu'il est stylé, ce robot, hein? Il est complètement pété, ce robot. Bon, eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom. Non, pas trop lire dans la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bienvenue dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo, et je repars avec le heal dans le prochain épisode. Salut.